Shalom, shalom fidèles téléspectateurs de l'émission Temps des prières agressives avec l'homme de la continuité des actes des apôtres, le pasteur Kalala. Que l'Éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons dans les cadres de cette émission chrétienne, l'émission de tous les enfants des dieux, dénommée les actes du pasteur Kalala. Plutôt temps des prières agressives. Allez, que les dieux très hauts vous bénissent abondamment. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Nous sommes là devant la face du Dieu très haut pour prier et prier, prier et prier. Jésus-Christ pouvait dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. » Et nous y sommes. Nous sommes là vraiment pour ça. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous qui prenez part à cette séance. Que le Dieu Très-Haut vous arrose et qui vous bénisse abondamment. Papa, maman, l'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-49-03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques de votre humble serviteur, le pasteur Kalala. Je répète pour une meilleure audition, l'homme de Dieu, le pasteur Kalala, répond au plus 1-331-262-49-03. 03, c'est par ces coordonnées que vous pouvez nous joindre. Nous sommes là pour passer des instants dans la présence du Seigneur. Déjà, vous qui êtes branchés, scotchés, je vous prie de bien vouloir partager massivement dans les différents groupes auxquels vous êtes abonnés. Vous êtes abonnés à 5 groupes, je vous prie de partager et d'envoyer les liens à quelqu'un qui vous est cher. Vous êtes abonnés dans 10 groupes, 20 groupes, partagez dans tous ces groupes, faites une large diffusion de l'évangile et daignez le Dieu très haut vous arroser et qu'il vous bénisse, vous qui le faites. N'oubliez pas non plus de cliquer sur j'aime, aimer la vidéo, aimer l'audio pour confirmer qu'effectivement et encourager l'homme de Dieu, confirmer que vous êtes ensemble avec lui, vous constituez réellement une seule équipe. Merci à vous qui êtes branchés, scotchés et qui le faites en ce net moment. Merci. Je sais que beaucoup ne sont peut-être pas notifiés, un petit souci au niveau des connexions peut-être, au niveau de l'Internet, mais par la grâce du Seigneur, nous allons quand même vous tenir compagnie et vous qui allez suivre en différé, recevez déjà nos chaleureuses salutations ainsi que bénédictions en Christ Jésus. Merci beaucoup, on va déjà commencer par dire à Dieu merci, merci pour le souffle de vie, merci pour l'être, le mouvement et la respiration. Allez, adorons l'agneau de Dieu, adorons l'Éternel des armées, adorons le rejeton de David, il est digne de gloire, il est digne de magnificence, adorons Jésus. Tendre Père, nous voici devant ton trône de gloire. Papa, nous nous rapprochons de toi pour te dire merci. Nous sommes devant toi pour te célébrer. Merci pour ce moment merveilleux, merci pour ce temps précieux. Il t'a plu, Seigneur Dieu, de nous rassembler, de nous unir, Éternel des armées, avec mes frères et sœurs pour prendre part à cette réunion et à répondre à cette invitation solennelle que tu nous demandes toujours, toutes les nuits, tout le matin, devant ton trône, dans les cadres de l'émission Temps des prières agressives. Avec le bien-aimé, nous te célébrons, nous te magnifions et t'adorons. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons l'agneau de Dieu, acclamons l'étoile brillante du matin. Acclamons le rejeton de David. On va encore déjà demander à Dieu de purifier nos cœurs. On va dire à Dieu de purifier nos âmes. On va lui dire de purifier nos pensées. Que tout ce qui constituait obstacle à tes prières, que les dieux tout-puissants puissent te pardonner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander à Dieu de te laver par ton sang, de te blanchir. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voici devant toi. Nous te demandons d'inonder nos âmes. Nous te prions de nous remplir de ton esprit. Saint-Esprit, purifie-nous par ton sang. La Bible déclare, tout est purifié par la parole, mais aussi par la prière. Voilà pourquoi je te demande, ô Dieu, de purifier ma robe, de purifier mes vêtements. Je te prie de purifier mes pensées. El Shaddai et les lions, je te prie de purifier ma conscience et mon subconscient. Nasengi makila osopa ki na kwaya gologota et sokola robe nanga et sokola ba vêtement nanga. Que tout ce qui puisse constituer obstacle à ce moment de prière soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur,
acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin, acclame le rocher des âges, le ressuscité du troisième jour. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté et d'être magnifié. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Papa, maman, je rappelle encore, continuez à partager, invitez un frère, partagez le lien avec quelqu'un qui vous est cher et soyez concentrés parce que nous allons bientôt décoller ou démarrer. Bien-aimé, tu vas maintenant recommander ton cœur entre les mains du Seigneur en disant « Seigneur, parle-moi, Seigneur, dispose mon entendement, Seigneur, que mon cœur soit disposé, que ces semences d'exhortation, des paroles, des prédications puissent trouver de la place dans mon cœur et qu'elles m'affectent positivement. » Tu vas prier, demander cela à l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, que ces propos, ces paroles m'affectent. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône, te demandant, ô Dieu, d'inonder nos âmes, de nous remplir, Seigneur, de nous revêtir de ta puissance, de ta gloire, et que cette parole prenne de la place dans nos cœurs. Sois le Dieu qui dispose notre entendement, sois le Dieu qui nous parle, sois le Dieu qui nous révèle. Seigneur, la Bible déclare, la parole de Dieu a été prêchée, c'est comme... Et puis il y avait des arbres, plutôt des oiseaux qui venaient pour voler la semence. Je n'aimerais pas que tel soit mon partage. Je n'aimerais pas non plus que ta parole soit prêchée sur une terre désertique. Seigneur, que mon cœur ne soit pas un désert. Je prie au Dieu d'Abraham que mon cœur constitue une terre fertile sur laquelle la parole de vie sera prêchée et que je sois vraiment édifié, Seigneur. Parle-moi, parle-moi, parle-moi dans ces moments de prière. Je te prie également d'affecter ma foi positivement et que ces temps me soient vraiment très bénéfiques et favorables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu l'acclames, tu l'acclames, tu l'acclames. Acclame encore très fort le roi des rois. Acclame encore l'étoile brillante du matin, acclame le ressuscité du troisième jour. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Merci Jésus, merci le roi des rois, merci l'agneau immolé de Dieu, merci le rejeton de David, merci le ressuscité du troisième jour. Allez papa, je vous donne une minute de partage encore. Pendant ce moment, nous apprêtons notre Bible. Je vous prie déjà d'apprêter votre Bible. On va lire parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui prient sans pour autant voir comme soubassement la parole de Dieu. Alors je te donne le temps d'apprêter ta Bible et ceux qui ont déjà leur Bible, pendant ces moments, vous serez tout simplement en train de partager pour faire une large diffusion, voudrais-je dire, de l'Évangile. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment dans les noms précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Merci à vous. Alors, sous cette belle mélodie, je vous prie de bien vouloir prendre vos Bibles et ceux qui les ont déjà, de bien vouloir aussi partager. Et je vous reviens dans une minute. D'aide, mon Dieu, vous bénit. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Merci à vous tous, merci, merci, merci. Allez, rapidement, nous allons passer à la lecture biblique. Nous passons donc rapidement à la lecture biblique. Soyez bénis les papas, soyez bénis les mamans. Donne le Dieu très haut vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment.
Nous sommes dans les psaumes de David. Psaume chapitre 121. Excusez-moi. Psaume chapitre 121. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Psaume 121, les psaumes de David, à partir du verset 1er. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous rejoignent, mais qu'il bénisse aussi ceux qui partagent avec nous. Que ce Dieu-là se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Merci. Rapidement, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. On met trois points qui sont les points de suspension. D'où me viendra le secours? La question est posée. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Parole de l'Éternel. L'Éternel gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni et daigne ce Dieu-là changer en logos, en rhéma, en nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, notre sous-terme, nous l'intitulons « L'Éternel ne permettra point que ton pied chancelle ». En lingala babi, nzamba rope sanzela te ete lo kolonayo ebetali baku. Il ne permettra point que tu puisses heurter ton pied contre une pierre. En d'autres termes, l'Éternel va aplanir tes sentiers. Ah, nous avons un Dieu clairvoyant, un Dieu prévoyant, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui dispose le terrain favorablement à l'égard de ses enfants. Un Dieu protecteur. Et c'est ce Dieu-là que nous allons invoquer ce matin. C'est ce Dieu-là que nous allons invoquer cette nuit pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis ici. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus chercher. Un Dieu qui prévoit. Un Dieu qui pourvoit la sécurité. Un Dieu qui dévance l'ennemi. Un Dieu qui sait nous prendre en charge, un Dieu responsable. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix pour dire merci Seigneur, de faire que je sois ton fils. Que quelqu'un lève sa voix pour dire Éternel, je suis fier de t'avoir comme Dieu. Que quelqu'un lève sa voix pour exprimer sa confiance vis-à-vis de l'Éternel, en lui disant Papa, je suis fier de toi, fier de t'avoir comme Père. Avant de commencer même la prédication, j'aimerais que nous élevions tous nos voix et que nous exprimions notre reconnaissance ainsi que notre confession de fierté vis-à-vis de ce Dieu qui nous aime, de ce Dieu qui nous prend en charge, de ce Dieu qui nous protège, de ce Dieu qui nous sécurise
Élevons nos voix, glorifions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous voici devant toi. Ensemble avec le bien-aimé, nous voulons te dire merci. Merci Yahweh de faire de nous tes fils. Merci de nous accepter comme tes filles. Merci parce que tu es notre Père. À travers l'œuvre de Golgotha, le sang de ton fils qui a été versé et de l'eau qu'il a fait couler, la Bible déclare de ses reins ou de sa côte jaillir de l'eau également, le sang. Seigneur, ça pouvait s'annoncer la naissance. Je naquis à Golgotha. Le sang a coulé et l'eau a été versée. Seigneur, c'était une maternité digne de ce nom. Et voilà que c'est une naissance spirituelle. Éternel notre Dieu, aujourd'hui je suis appelé fils de Dieu, fils du Dieu très haut. Père, je te dis merci pour cette grâce. Je n'ai rien payé pour mériter cela, mais par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, tu as fait que je puisse naître. Et aujourd'hui, Seigneur, sur cette terre, je suis compté parmi les fils de Dieu, parmi les filles du Dieu très haut. Et je te dis merci. À travers cette lecture biblique, ensemble avec mes bien-aimés, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci de faire de nous un sacerdoce royal. Merci de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Merci de faire de nous des enfants. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es plein d'amour. Merci parce que tu es un père responsable. À travers la lecture de ce récit, je comprends que tu n'es pas un irresponsable, mais un Dieu qui veille sur les siens. Merci d'en faire partie. Au nom de Jésus-Christ, ensemble avec les bien-aimés, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons et nous disons ensemble gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame très fort le roi des rois. Dis-lui merci. Merci, merci pour ce moment. Bien-aimé, écoutez. Pourquoi cette phrase intervient-elle en disant que l'Éternel ne permettra point? C'est-à-dire là, la phrase est conjuguée au futur. Comme pour dire que Dieu est un Dieu qui pourvoit même au lendemain. Le monde des esprits, c'est un monde où on planifie des choses, on programme des choses. Ce n'est pas le monde où les gens doivent être surpris. C'est le monde de la prévision ou de la provision. C'est le monde où on monte des choses en avance. C'est le monde où on prépare des choses et on vient le vivre par après. C'est pourquoi je te prie, bien-aimé, de vivre comme une fille de Dieu, de vivre comme un fils de Dieu et d'avoir l'habitude de prévoir, de prévenir et de voir des choses en avance. C'est très important, même dans des pays développés, mes amis. Dans des pays développés, ils vivent toujours en avance. C'est nous autres, dans nos pays sous-développés, où nous vivons du jour au lendemain. Mais dans des pays développés, dans la plupart des domaines, dans les pays développés, ils vivent comme en avance, c'est-à-dire qu'ils prévoient des choses. Je me souviens de cela, une année de cela, quelques mois aussi. Je travaillais dans une compagnie où on faisait des pièces de rechange, des voitures, Toyota, plutôt Honda, Mazda, etc. Bien aimé, on faisait des pièces de rechange, des voitures en avance. Quand on était encore en 2020, en 2019, il y avait des pièces qu'on montait, on fabriquait. On voit la date de la date, déjà on écrit 2021. 2 ans d'avance. On était encore en 2019. Mais déjà les pièces des voitures de 2021, on les fabriquait déjà. Est-ce que vous voyez? Ça dit que dans des pays développés, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est effectivement comme ça que ça se passe aussi dans le spirituel. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. La Bible dit ceci, Dieu promet de bénir ses enfants, de bénir ses fils, de bénir ses filles en avance. Il dit, pendant que vous dormiez encore, moi Dieu,
Je bénis mes fils. Je bénis mes filles. Je bénis mes fils et mes filles. Pendant qu'ils sont encore dans un profond sommeil, moi je me réveille déjà pour les bénir. Donc la bénédiction en avance. La bénédiction en avance. Et c'est comme ça que les choses se passent dans le spirituel, mes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je te demande, mon frère, je te demande, ma soeur, de ne pas être distrait et de ne pas chercher à vivre des choses du jour au lendemain. Rentre dans cette façon de voir les choses. Commence à préparer des choses en avance. Ne vis pas du jour au lendemain. Soyez bénis. Encore une fois, soyez bénis. C'est pourquoi vous allez constater, gloire à Jésus, vous allez constater, mes frères, que même le jour, mes amis, de la mort du roi Akab, c'est pas le jour où le roi Akab meurt que sa mort a été programmée. Lisez l'histoire dans 1 roi, chapitre 1er. Dans les livres de roi, chapitre 1er, verset 1 roi, chapitre 22, verset 18 à 22. 1 roi 22, 18 à 22. On nous parle de la mort du roi Akab, l'époux de Jézabel. Ce n'est pas le jour où on a tiré sur lui. Ce n'est pas ce jour-là, en ce jour-là qu'il est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas en ces jours-là qu'il est mort. Le roi Akab, avant qu'il ne meure, une décision, un conseil a été tenu, une réunion a été engagée dans le monde des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une réunion fut engagée dans le monde des esprits. Dieu convoque une armée, plutôt une réunion dans le monde spirituel, une réunion des démons. Et la Bible déclare, à cette réunion, plusieurs esprits impurs vont assister, y compris un esprit qu'on appelle un démon de mensonge. Et alors, Dieu va poser la question, mes frères. Il pose la question à l'esprit de mensonge. L'esprit des mensonges va ouvrir la bouche pour parler. Et qu'est-ce qu'il raconte malheureusement? L'esprit des mensonges raconte à Dieu, il fait une proposition. Il dit, moi, j'irai comme un esprit des mensonges. Et je vais donc prononcer le mensonge, mettre le mensonge et la séduction dans la bouche de tous les prophètes du roi Akab. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que tous ces prophètes vont prophétiser des mensonges, des faussetés au roi. Et le roi va croire, pensant que c'était la vérité. Et les choses se sont passées comme ça. Les choses se sont passées selon que l'esprit de mensonge avait proposé à Dieu. Et quand Dieu va dire, ok, je te donne l'aval. Et l'esprit a quitté la présence du roi. Il est parti pour mettre en application ce qui a été décidé. Et dans le monde physique, on voit qu'Akab a commencé par avoir une pensée, une conviction intérieure. Une conviction selon laquelle je dois aller faire la guerre à Ramoth en Galate. Lui pensait que c'était juste un désir. Or, c'était des choses déjà montées. Vous connaissez comment ça se passait. Le prophète Michée venait pour lui dire qu'attention, c'est un complot, c'est un piège. C'est un piège, papa.
Ah bon, c'est un piège? Oui, c'est un piège. Il se fâche contre le prophète. Il se fâche contre loin de Dieu. Et il les traduit. Il les jette en prison. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaissez l'histoire. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. La Bible dit. Merci. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Donc on les jette en prison. Le prophète mécontent. Il dit, ah bon? Si je ne suis pas prophète de l'Éternel et que j'ai prononcé des mensonges, pas de problème, le roi tuera et tu reviendras. Mais moi je sais que dans le monde des esprits, quelque chose a été déjà planifié, monté de toutes pièces. Et c'est ce que tu es en train d'endurer. Roi, ne commets pas cette maladresse de partir. Parce que tu ne reviendras pas. On va tirer sur toi. Et Israël sera dispersé. Gloire à Jésus. Israël sera dispersé. La Bible déclare. Mon frère et ma soeur, le roi va s'entêter et il est allé pour mourir. Donc vous avez compris avec moi que la mort du roi Akab, c'est quelque chose qui avait déjà été préparé dans le monde des esprits. Job également, il a ses entreprises, les entreprises qui évoluent normalement. Une réunion va s'éteindre dans le spirituel. Encore une réunion. Convoquée par qui? Par Dieu lui-même. Mes amis, toutes ces choses doivent nous servir de leçon. Là-bas, on discute au sujet de l'activité de Job. Là-bas, mes frères, je vous dis que quelque chose, qu'est-ce qui est discuté? Quelque chose est discuté là-bas. C'est au sujet, mes frères et sœurs en Christ, des activités et de la vie de Job sur cette terre. Cependant, Job vit normalement sur la terre. Les activités avancent. Mais dans le monde des esprits, on parle déjà de lui. On planifie déjà des choses. Donc le chemin, le parcours, la route, les voies sont déjà montées en avance dans le spirituel avant qu'on ne les vive dans le physique. Qu'est-ce qui est monté au sujet de Job ? Job doit être déstabilisé, ses activités doivent être affectées négativement, on doit détruire tout ce qui est à lui. Et c'est ce qui est décidé concernant Job. Réunion entre qui? Entre deux entités spirituelles, une appelée Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Elohim, l'autre entité appelée Satan, dans le spirituel, Babetima Solo. Dans l'entretemps, Job n'est au courant de rien. Mais ça ne veut pas dire, mon frère, que comme tu n'es au courant de rien, quelqu'un me dira pas pendant la lotte, je ne fais pas des rêves, je ne vois rien. Ça ne veut pas dire que comme tu ne rêves pas, c'est qu'il n'y a rien qui se prépare sur toi ou contre toi. C'est qu'il n'y a rien qui se prépare en ta faveur ou en ta défaveur. C'est qu'il n'y a rien qui est planifié dans le monde des esprits. Détrompez-vous, mes frères. Détrompez-vous, mes sœurs. Et il ne se douta de rien jusqu'à ce qu'il a vu les conséquences. C'est-à-dire quoi? Ses activités détruites, les serviteurs arrêtés, les serviteurs amputés, décapités, etc. Troublés, côté narrat na vinaye. Job en a subi de toutes les couleurs. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Quand on dit que l'Éternel ne permettra point que ton pied chancelle, c'est parce que Dieu sait que dans le monde des esprits, il y a des voies qu'on a déjà piégées dans la vie des hommes. Dieu sait très bien
qu'il y a des réunions qui se tiennent dans le monde des esprits, pas convoquées par lui. Satan convoque aussi des réunions. Les sorciers convoquent des réunions toutes les nuits. Les occultistes, les devins, ils convoquent aussi des réunions. Bien-aimé, le diable est un imitateur. Il ne fait que copier tout ce que Dieu fait. Comme Dieu convoque des réunions, quand il planifie d'accomplir des choses, lui aussi convoque les siennes. Les méchants convoquent les leurs. Pourquoi? Pour planifier des choses. Et Job, dans les livres de Job 33, verset 14, il dit, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre, par des songes, des visions, etc., pour nous informer de ce qui a été planifié ou programmé dans le monde des esprits. Mais il y a également, mes frères et sœurs en Christ, des moments où Dieu ne nous parle pas, ni par des songes, ni par des visions. Cela ne veut pas automatiquement dire qu'il n'y a rien qui se prépare. Ah, c'est ça le plus grand problème. Ça ne veut pas totalement dire qu'il n'y a rien qui se prépare, mes amis. Dieu sachant qu'il y a des routes, Dieu sachant que la vie de l'homme, on dit que la vie de l'homme sur cette terre, c'est une vie de paix, pèlerinage. Un pèlerin, c'est celui qui travaille, qui marche à bord d'un chemin. Il a un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Et Dieu sait que sur nos voies, sur cette terre, il y a des embûches. Il y aura des trous, il y aura des creux, il y aura des bombes, il y aura des fosses. Tout ça sous forme de pièges. Il y en aura. Et Dieu le sait très bien. Voilà pourquoi dans les psaumes, David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit ceci. Il nous fait une garantie. Il dit, sachez-le bien. Même s'ils vont mettre des pièges, ils vont vous tendre des pièges. Même s'ils vont faire des creux. Même s'ils vont planifier de la boue pour vous empêcher d'évoluer normalement. Quand sur votre chemin, vous allez rencontrer des embûches, des obstacles, etc. de toute nature. Sachez-le bien que l'Éternel, votre Dieu, il voit tout. Il veillera sur toutes vos voies. De sorte que même si on mettait des pièges, que vous ne tombiez pas dedans, dans le filet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on mettait des pièges, quelque part, mon frère et ma soeur, toi, tu ne seras pas atteint. C'est ce que la Bible est en train de nous dire à ce niveau-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma sœur et mon frère, David connaissant ces choses, il nous fait une garantie, je l'insiste. Ne craignez pas, parce que Dieu ne permettra point cela. Parmi les pièges, j'ai également des pierres d'achoppement. Et ça, m'a dit que je suis un peu plus grand que moi. Papa, je suis un peu plus grand que moi. Mon frère et ma soeur, je te prie d'être très attentif. On met une pierre pour que tu te cognes et que tu commettes un accident. Mais le Dieu très haut, le Dieu tout puissant qui voit tout ce qui est planifié dans des voies, tout ce que tes ennemis plantent comme des pièges, Dieu du haut de son trône, il voit. David nous donne cette assurance. Amonaka nyonsoyo babongise lyo nanzela. Et pas baïninayo. Malheureusement, Dieu peut être là en train de parler. Alors l'acceptant ba ennemi qui non. Tala mouto yo nga nazanaye. Mais ba comprendre kate. Bazaka ko ba ebisi. Ba betele le solo. Moutmo ka informé. Bien aimé, vous oubliez qu'il y a un être suprême qu'on appelle Dieu, l'Éternel des armées. Quand tu dors dans ta chambre là, il te voit. Quand tu vas chez le féticheur,
pour chercher à tenter à détruire la vie de ton voisin. Il voit. Quand tu es au téléphone, tu fais des histoires, tu complotes avec des bandits. Faisons ceci. Dieu te voit. Et Dieu existe. Si tu doutes de Dieu, inspire, expire. Tu vas comprendre que Dieu est là. C'est l'être là qui contrôle le souffle de vie que tu as. C'est notre créateur. Et il a ses fils sur cette terre. Il a ses filles sur cette terre. Il a sur cette terre ses serviteurs et ses servantes. Nous sommes au monde de quoi voyou moroboy. Le roi moi jeune moroboy kili mais un ouin de l'éternel. Amoussa l'anzambé. Et tous ces signaux que Dieu te montre sur le yoga raté. Nous m'en avons tout à le cola zoba. Comprends que moi, je suis un peu plus de Malheureusement, très peu de gens ne comprennent ça. Pendant que le méchant, pendant la nuit, planifie des pièges, Dieu voit. Tu sais, le langage, quelqu'un lui a dit, quelqu'un lui a informé, quelqu'un là, c'est Dieu. Il faut dire que Dieu lui a parlé. Est-ce que ça, quand on a bien? Un épisode, il y a un bien, bien. Ton voisin à Dieu, c'est pas un menteur, c'est pas un aventurier. Donc tu le combats, tu combats Dieu. Et Dieu permet que tu vois tout ça pour que tu te répandes. Les deux fils sont déjà partis, non? Se sont convertis. Mon frère, répands-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonne des mauvaises voies. C'est une occasion. Dieu t'a mis sur mon chemin. Dieu t'a mis sur le chemin de cette fille de Dieu. Pour que tu te convertisses. Et comme il t'en a sauvé, frère. Bon, là, mon témoin. Tika diamba, tika drogue, tika ba copa, tika ba tout, tika ba assassinat, tika ba fraude na ba banque, tika ba fraude na ba pirater bilo rabat. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te met sur le chemin de son serviteur. Répands-toi. Tika bilo quoi. Mon frère et ma soeur, je te l'ai dit. Dieu sachant que dans des voies, sur les voies de ses fils, sur les voies de ses filles, on va lui tendre des pièges. Bon, maintenant là, frustrons-les d'abord, intimidons-les, faisons-lui peur, comme ça après on va les récupérer pour lui poignarder. Vous allez lui poignarder? Nzamba talab na osse kabitaba, on va comprendre qu'à te kenga na samwana, na sana bana na ngana mukili. Bon, on l'a monté, ma frère. Sors de ces magouilles, de ma communauté, de mon tribalisme, bien aimé. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Mais du haut de son trône, il a une caméra cachée. Il observe tout ce qui s'est fait sur la terre. Même les papas qui vont dans des loges là, ils se rassemblent pour faire de pièges, tendre de pièges sur les voies des fils et des filles de Dieu. Il y a une caméra cachée que Dieu voit du haut de son trône. Atal pena bwa moni, eh papa Lot, bana baza kolala na chambre, Lot yoke wapi, Lot akibeta masolo, non te ka virginita bana nanga. Ya moins cher, kota pona, zwana ya moins cher, abusez d'elle comme vous voulez, Dieu voyait. Dieu sachant que la vie sur cette terre, c'est une vie de pèlerinage, nous sommes des marchands, tout tambo na banzela, mais na banzela ngo, et ton na banzoube. Et ton baba filet, et ton baba piège. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu te bénisse, toi qui comprends. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends. La Bible dit, dans Job chapitre 8, verset 9, pendant la nuit, c'est le moment propice où les gens se rassemblent. Quel type de personnes? Les méchants. Les méchants. Que Dieu soit loué. Ils se rassemblent la nuit. Pour maudire les jours
Et parmi ces sortes de malédictions, il y a également des pièges, pour tendre des pièges. La journée était une journée où ta voix, où tes voix étaient des voix éclairées par Dieu et change la lumière en ténèbres. Bah, le mot lili la journée. Et pendant qu'ils vont mettre les ténèbres, ils viennent également avec des forces, ils tressent des forces sur les voies des fils et des filles de Dieu. C'est ce qu'on appelle par des pièges. Sur les voies des autres enfants de Dieu, ils envoient la mort, ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Sur les voies de certains, on envoie la malchance, la malédiction et les blocages. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ceux qui excitent les Léviathans, ceux qui excitent les Léviathans, les font la nuit. Ils organisent des réunions la nuit. Ceux qui excitent les Léviathans, non seulement ils excitent les Léviathans la nuit, pour que les choses qu'ils ont planifiées puissent s'accomplir les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour qu'ils attendent là l'accomplissement des choses qu'ils ont planifiées, leur accomplissement pendant la journée. Ah, bien-aimé, il y a des personnes qui attendent l'accomplissement. Mais David nous dit ceci. En ce qui nous concerne, nous les fils et les filles de Dieu, en ce qui nous concerne, nous les servantes et les serviteurs de Dieu, quand bien les ceux-là qui ont la capacité de creuser des trous la nuit, de mettre des pièges, de planter des épines sur nos voies, ils le font la nuit, soit très tôt le matin, mes frères et sœurs, c'est là où on planifie sur la voie des enfants de Dieu des maladies telles que des pandémies. D'autres, on planifie sur votre chemin, on a creusé un puits, une fosse pour vous tenter par l'empoisonnement. À d'autres, ce sont des accidents. L'autre, on a creusé la fosse des escrocs, de l'escroquerie. À un autre, c'est la fosse des maladies. L'autre, c'est une fosse d'hospitalisation. À l'autre, c'est une fosse de renvoi au travail. L'autre, c'est la maladie incurable. D'autres, c'est un problème sérieux, une incompréhension avec tes chefs au travail. Ils vont creuser des fosses comme ça, par-ci, par-là. D'autres, c'est un assassinat. Batimbole du boule. La Bible déclare, mes amis, pendant qu'on creuse ces fosses, nous avons une garantie. Notre papa, dans Psaume, on dit, il ne dort pas. Nzambala la raté. Il ne sommeille pas. Animba rapéti. Il a l'œil ouvert 24 heures sur 24. Et il veille sur toutes nos voies. Il y a le kola lampadaire. On l'appelle la lumière du monde. Il y a le kola tché torche à mon nez, lampadaire. A testé. Ah, cela on va le piéger maintenant par une femme. L'autre, on va le piéger par la voie des fraudes fiscales. Hein, fraude fiscale. L'autre, là-bas, on va le piéger par l'assassinat. Non, l'autre, là, on va le poignarder. On ne va pas tirer sur lui. Maintenant, on a changé. Maintenant, c'est les couteaux. Bautubembeli. Dieu voit tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voit tout ça. L'autre là c'est quoi? Tu vois que les mbassou, les mbassou, moinsa. Tu vois que les moinsa. L'autre là, on va les récupérer, on va créer une force de tension. On va le stresser, il aura des sérieux problèmes à piquer, crise d'attention. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Bon, ça la moussa la ya pamba. Bon, ça la moussa la kote moussous. Bon, changez cop. Allez travailler ailleurs. Toutes ces forces, creusez-les ailleurs. Mais si c'est seulement sur le chemin des fils et des filles de Dieu, vous faites un travail bâclé. David nous rassure cela.
Il dit, quant à ceux qui concernent les voies des fils et des filles de Dieu, quand ils vont creuser une fosse, ils vont vous mettre des pierres d'achoppement. Au Betali Bakoumou, au Zouapassi, au Lela, au Nyokwama. L'Éternel ne permettra point que ton pied se heurte. Au Betanali Bakou, Barochali Banga, Barochatanzete, au Toutanakuna, au Zouapassi, dans le Kolo. Mais Dieu ne va pas permettre. J'annonce à quelqu'un ce matin, peu importe ce qui a été planifié sur ta voie, dans toutes tes voies, le long de cette semaine qui commence, tout ce qu'ils ont placé comme borne, comme pierre pour que tu te frottes, tu te grognes, tu te heurtes, voudrais-je dire. Tout ce qu'ils ont fait comme puits pour que tu tombes dans le piège, dans le filet. Tout ce qu'ils ont planifié comme maladie, comme blocage, échec. Il y a un Dieu tout-puissant quelque part. Il dit ceci, il ne permettra point que toi tu puisses tomber, que tu puisses te cogner dedans. Que le Dieu tout-puissant veille sur sa parole le long de cette semaine sur ta vie. Qu'il veille sur la vie de tes fils, qu'il veille sur la vie de tes filles, qu'il veille sur la vie de tous ceux qui te sont chers. Qu'il protège ta maison, qu'il te protège dans toutes tes voies. Je parle d'un Dieu qui protège et qui protégera toujours les siens. Il dit, il ne permettra point que ton pied se heurte. Que ton pied se heurte. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix pour dire, Yahweh, je reçois ta parole. Je suis plus que rassuré. Je marcherai le matin. Je marcherai à midi. Je marcherai le soir. Je suis dans l'assurance que mon pied ne se heurtera point contre une pierre. Libangate à mon né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 n
partage dans les différents groupes auxquels tu es abonné. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Multipliez donc les partages. Multipliez les partages. Partagez. Encore une fois, partagez. Que Dieu te bénisse. Il ne permettra point cela. Le banzamba yebi ba piège na bango. Nzamba moni kote ni batye libanga. Nzamba moni kote ni batimoli libulu. Nzamba moni ba filé na bango. Alors mes amis, comment est-ce qu'ils font ces choses? La Bible dit dans Job 8 verset 9. Pendant la nuit, des personnes qui excitent les Léviathans maudissent les jours des autres. Le filet ou la pierre, ça peut être sous forme de malédiction. Ils maudissent ta journée. Comme Dieu renouvelle sa bonté tout le matin sur ses enfants et sont spécialistes en modification et en changement, ils prennent ta journée et ils déclarent des propos de malédiction. Baba Niko Saka, Bazola Kelamabe. C'était une journée de bonnes rencontres. Une journée où tu allais rencontrer des bonnes personnes capables de te faire du bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des imprécations. Ils changent ce bonheur en malheur. Ils font des imprécations. Ils font de l'enchantement. Ils font des mauvais sorts. Na place à koutana batoa bien. Il était prévu dans le plan ou dans le calendrier de Dieu que le lundi 13 septembre, aux environs de 12 heures, tu reçoives un coup de fil de quelqu'un qui allait te bénir ou bien qui allait te connecter à une grande personnalité par rapport au dossier que tu as introduit il y a de cela quelques mois. À 11h30, donc 30 minutes avant que tu ne reçoives ce coup de fil pouvant t'affecter positivement ou affecter positivement ta destinée, 30 minutes avant, c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle. Virage. Tu décroches comme ça. C'est un frère ou une tante ou un oncle ou un parent sorcier. Il a envoyé quelqu'un qui t'appelle pour te vexer. La personne t'injurie. Soit elle te donne des mauvaises nouvelles qui détruisent, qui gaspillent ton humeur, tes humeurs, depuis 30 minutes juste avant ta bénédiction. Il te dévance. Piège de l'ennemi. Entre-temps, à 30, à pile, tu dois recevoir un coup de fil de quelqu'un qui va te faire du bien. Mais lui, 30 minutes avant, à Bébicho Moutema, soit c'est quelqu'un qui t'insulte, soit c'est quelqu'un qui te dit qu'on a sali ta réputation. D'ailleurs, fais ceci. Quelqu'un qui gaspille ton cœur, tes humeurs sont gâchées. Et quand tu finis de causer, il te prend même 20 belles minutes. Quand tu finis de causer là, tes humeurs sont gâchées. Tu voulais même sortir. Tu dis non, je rentre seulement à la maison. Dans mon journal, où ils ont bien été. Et que vous allez le belanzambe. Et quand tu arrives à la maison, avant 5 minutes qu'on puisse t'appeler pour le grand marché, le projet, tu vois une conviction qui te monte à l'esprit, selon laquelle, n'a qu'un cas téléphone à moi comme ça, je ne vais pas recevoir encore de mauvaises nouvelles comme ça, tu bloques les téléphones. Hey, yaya. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est à cela que beaucoup de personnes, bien aimés seigneurs, sont butées. Beaucoup de gens subissent ce genre de phénomènes. Ils maudissent les jours des fils et des filles de Dieu. À 12h pile maintenant, la personne qui était une personne bénite de Dieu, on l'appelle comment? On les appelle les bienfaiteurs divins. Aïe, aïe, aïe. Bienfaiteurs divins, comme Kobenga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le bienfaiteur divin appelle maintenant, l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors de la zone de couverture.
Là, c'est le bienfaiteur qui appelle. L'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors de la zone de couverture. Mais le dossier est prêt. Le contrat, c'est prêt. Les clients attendent. Le boss dit, insistez. On n'a pas de temps à perdre. Il faut que vous puissiez la voir. Boss, on l'appelle. Mais le téléphone n'est pas joignable. On appelle une quatrième fois, répondeur. Bolier Bango Crédit. Cinquième fois, répondeur. Là-bas, toi, tu dors sous l'effet de la colère. Quand je parle d'une pierre, ce n'est pas une pierre seulement physique. Ça peut la mettre en termes de comportement. C'est pourquoi ce matin, nous autres connaissant ces choses, nous allons commencer par balayer notre route. Faisons ce travail avec Dieu. On va dire à l'Éternel, dans le cadre de « Tu ne permettras point que mon pied chancelle, que toute occasion de chute, toute pierre d'achoppement, une pierre d'achoppement, ça peut être une personne. Jésus-Christ dit ceci, parlant de Judas. Le scandale viendra, mais malheur à la personne par qui le scandale va venir. Cette personne-là, c'est une pierre d'achoppement. Il dit, vaut mieux pour elle qu'elle ne soit pas née. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, dans ce cadre d'élan, dans ce cadre d'esprit, dans ce cadre d'idées, je viens à toi. Travailler ensemble avec toi, Seigneur. Maintenant, je prie que tu balayes de mon chemin le long de toute cette semaine qui commence. Toute personne que le diable aurait suscité comme une pierre d'achoppement. Pour que na betali bakuna zonga ciment. Pour que na betali bakuna perdre li pamboli nanga. Papa, balayer à libérer chemin. Si c'est dans ma maison, il y a un enfant, une maman, un papa, un bien-aimé que le diable veut utiliser pour être une occasion de chute, m'éloignant ainsi de ta bénédiction, Seigneur, balaye la personne. Nzambe zwa kombo ki kombo munene, sokola kour nangai, balaye, nettoyer chemin nanga, que toutes mes voies soient planifiées, tapissées par le sang de Jésus-Christ. Que toute personne, femme, jeune ou vieux, ami ou connaissance, membre de ma propre famille ou étranger, Seigneur, que le diable a suscité pour être une occasion de chute le long de cette semaine, balaye la personne. Quand je parle de balayage, il y a balayage et balayage. Moussouza genzambe tchèka moussika nangaza moussika. Mais ça moussouza têtu, nzambe pikola ya longwane ga moukilia kende. Ezu. Qui es-tu, toi montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Banda kolobana nzambe, balayer liboso nanga, moutunyon soazali pierre d'achoppement, moutunyon soazali obstacle, que tout être qui est un obstacle devant moi soit balayé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, balaye toute pierre que l'ennemi aurait suscité en ce jour, tout comme le long de la semaine, comme une pierre d'achoppement. Banda ko sakola na kombo na Yesu. Nzambe na lola tozo saka tozo déclaré dans le nom de Jésus. Pierre nyonso d'achoppement na nzela na nga na kombo na Yesu e kangabisaka au nom puissant de Jésus. Que toute personne dans la famille, en dehors de la famille, ami ou connaissance, et personne que j'ignore ou que je connaisse, mais qui est une pierre d'achoppement que l'ennemi aurait planifié, posé sur mes voies, mes traces, sur les traces de mes pieds, sur mon chemin, sur ma route, dans toutes mes voies, à partir de maintenant que je prie, Seigneur, enlève cette pierre devant moi, déplace la pierre, Seigneur, dans ta souveraineté, déplace-la, mon Rédempteur, mets-la à côté, soit celle sans tête. Picolaïe, chemin dans la planie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute pierre suscitée en ce jour par l'ennemi devant moi soit enlevée, soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse. Je déclare que le Dieu Tout-Puissant te bénisse
et qu'il te bénisse abondamment. Tikan zete nyonso baloni na biboso na yo. Ce que zali nzete to etape ya nzete batie po beta libako zoka. Nzamba lola apeisango moto esika. Tu vas dire à Dieu, si c'est un morceau de bois que l'ennemi a suscité devant moi pour que je puisse me heurter dessus et avoir mal dans la vie. Toute pierre d'achoppement soit ôtée, Seigneur, et que ton feu consume, calcine tout morceau de bois que l'ennemi aurait planté devant moi pour que je me heurte. Que ça prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne permettra pas que tu te heurtes. Première possibilité, le déplacement, l'évacuation, la libération de ton parcours. Tombola mongongo bandako déclaré. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Maintenant nous demandons le feu. Que ton feu s'allume, brûle, consume et calcine tout morceau de bois que l'ennemi aurait suscité devant moi. Que ça prenne feu, que ça soit consumé. Faya baba shinda liakor. Monte banako tumba. Monte banako zikisa. Nzete nyonso. Batye liboso nanga. Eyamba moto ezika. Nzete nyonso mabe. Pona beta libako. Epela moto ezika. Que ma voix soit planifiée. Que mes sentiers soient purifiés. Que mes voies soient éclairées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Tu es le Dieu qui évacue toute personne entre Dieu que l'ennemi aurait suscité comme un morceau de bois pour me barrer la route. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, sur les voies des fils et des filles de Dieu, il y a ce qu'on appelle par des creux, par ma boule ou ma piège. Je prophétise d'abord par rapport à la pierre, que toi tu ne vas pas te heurter contre une pierre. Mon toi royal ibosona yo pon robetso libaku, nzamba écarté déjà la prière. J'annonce que Dieu a déjà écarté toute personne que l'ennemi avait suscité pour être une occasion de chute et une pierre d'achoppement. Que tout Judas envoyé soit écarté. Et Dieu ne permettra point que la personne se heurte contre toi. Que ce soit la personne qui vient avec des mauvaises nouvelles. Que ce soit des mauvais amis. Que ce soit quelqu'un qui vient en termes de provocation. Même toute personne qu'on aurait suscité comme une sorte d'accident. Par accident que tu te chamailles et que tu perds ta bénédiction le long de la semaine. Que tout être que l'ennemi avait suscité déjà soit déplacé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le sang précieux de Jésus tapisse toutes tes voies. Merci Père éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, en termes de destruction des journées des autres, les gens qui excitent les Léviathans, ils creusent également des fosses. Des fosses, ce sont des zones de dépression. Il y a des fosses qu'on appelle des fosses, il y a de l'ombre de la mort ou la vallée. Quand tu marches, ce sont des pièges au fait. Batielo ma boulou nanzela pour que par mégarde tu te retrouves dedans. C'est quoi qu'on appelle par piège de ce genre, des trous comme forme de piège? C'est des situations qui font que tu ne t'attendais pas à vivre un malheur, mais le malheur vient sous forme de surprise désagréable, brusquement. Boum! Tu te retrouves que tu n'es plus au seuil normal de ta vie, mais tu es en dessous du niveau de vie de ton niveau de vie normal. Et ce sont des fosses comme ça qu'on creuse
dans les affaires des gens. C'est des fosses comme ça qu'on creuse dans les activités. C'est des fosses qu'on creuse même dans la vie étudiantine. C'est des fosses comme ça qu'on creuse même par rapport à la santé. C'est-à-dire que tu as bien dormi, tu t'es aussi bien réveillé. Mais tu ne comprends pas vers 11h, 12h directement une forte fièvre. Tu commences à vomir, tu commences à faire des trucs. Tu vas à l'hôpital comme ça, on dit. Tu es atteint de la pandémie. COVID-19. Liboulou Batimboli Nzambe. Quel type de force ils ont creusé le long de cette semaine? Que ces forces soient remplies. Rempli encore davantage du sang de Jésus-Christ. Comme Dieu ne permettra point, si on avait creusé la fosse de la pandémie, que quand tu rentres dans le métro, la personne qui sera à côté de toi, bien qu'elle ait le masque, mais elle venait de tousser, elle avait mis la main au niveau de sa paume de main. Et il a ouvert le portail, ou bien la portière du métro. Et la prochaine personne qui devait ouvrir la porte, la portière, c'est toi. Bien-aimé, quand on dit que Dieu ne permettra point que ton pied chancelle, ça veut dire que tu vas aller à la direction de la porte en question. Mais quand tu arrives à quelques mètres, tu sens l'esprit te conduire. Non, rentre là-bas à côté du chauffeur. Et tu vas par l'autre porte. Dieu t'épargne. Il dit, il ne permettra point. Pendant que je déclare que ces choses soient ton partage, que ce que je viens de déclarer soit le partage d'une maman, d'un papa qui me suit. Toi, tu iras à côté. Dieu t'épargnera de cela. Et c'est la prière que nous sommes en train de faire maintenant. Quand tu voulais aller d'un mauvais côté, Dieu te met à cœur de changer de direction. Va de l'autre côté. Quand tu voulais aller auprès de quelqu'un qui veut t'empoisonner, pendant qu'il te pique une piqûre, toi tu penses que c'est un vaccin, mais il veut mettre un poison, que le Dieu Tout-Puissant te chasse, qui te change de direction. Tu vas de l'autre côté. C'est ce Dieu-là que nous prions. Regarde comme maison à maison, bah, tu lui as venu à ma bébé, à miner dans la poison. Que Dieu t'épargne de ce genre de situations. Et Dieu nous fait la garantie à travers la bouche de son serviteur David. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. S'il y a des bandits qu'on avait mis, c'est cette semaine que tu vas prendre l'argent en banque parce que tu veux faire un transfert, bien une transaction. Mais on t'a dit, on va te remettre cash. S'il y a des bandits qui étaient au courant de ça, ils t'attendaient au virage. Quand on dit que Dieu ne permettra point, ça dit que quand tu prends l'argent, aussitôt, au lieu que tu partes avec ta voiture, c'est un ami qui vient avec un ami policier et qui vient te prendre. Allez, vous êtes parti dans une autre direction. Tu n'es plus là. Dieu est capable de t'épargner de tous les complots, de tous les pièges tendus par tes ennemis. Donne-moi un amen plus fort que ça. Encore une fois, amen. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Que ses propos aient leur accomplissement dans la vie de quiconque prie, dans la vie de quiconque croit, dans la vie de quiconque confesse. Je le déclare au nom de Jésus que cette parole de l'Écriture ait son accomplissement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et qui vous bénisse abondamment. Le Dieu qui ne permet point que ton pied chancelle. Tu vas prier maintenant et dire à Dieu. Tous les pièges. S'il y a une femme qui a été placée devant mon mari. Comme il va en voyage. Ils ont déjà vu dans le monde des ténèbres. Ils ont préparé une sirène des eaux. Pour qu'elle aille les séduire en plein hôtel, chambre d'hôtel. Papa, épargne mon mari. Que son pied ne chancelle point.
ndekumana mobali akutenka na mwasi yango babandi pe ça va. Après l'appareil soit éteint, soit hors de la zone de couverture. Ça laisse un acte sexuel total. Que ta puissante prière puisse épargner ton mari qui ne chancelle point. Si on voulait les piéger par la nourriture, on lui a déjà donné rendez-vous. Ça va, tu viens à la maison, tu vas manger. On a préparé pour toi. Pendant qu'il veut prendre son taxi, accident de circulation. Paf! Mais lui n'est pas atteint. La voiture est gâchée. Le rendez-vous avorté. Il dit non, j'ai connu un accident là, je suis à l'hôpital. On part comme ça, on fait les checkings, il n'y a rien. Mais ton Dieu a épargné ton mari d'un envoûtement, d'un empoisonnement. Il a suscité un autre problème. Nous croyons à ces dieux-là. C'est pourquoi dans la vie de tout enfant de Dieu, la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, ils sont en train d'édifier quelqu'un. Tu t'es plaint trop là. Papa, pourquoi ma voiture a été gâchée? Pourquoi un tel est malade? Pourquoi ce problème ne m'arrive qu'à moi? Pourquoi je n'ai pas voyagé? Bien-aimé, Dieu a plusieurs façons pour nous épargner, de sorte que nos pieds ne chancellent point. Avant de prier, de vous donner ce troisième sujet de prière, je vais vous donner un témoignage d'un bien-aimé. L'histoire se passe en Bujima, plutôt à Chikapa. J'ai fait un saut en voyage missionnaire à Chikapa vers les années 2000-2001. J'étais parti prêcher l'évangile là-bas, à Chikapa. C'est l'une des provinces, dans l'une des provinces de la RDC. C'est dans l'une des provinces, ce n'est pas une province. Actuellement, je pense que c'est une province. J'étais au niveau de Chikapa Centre, non loin de l'aéroport. Bien aimé dans le Seigneur. Une histoire qu'on nous a racontée sur place. Il y avait un papa, un frère en Christ, c'était un partenaire dans une église. Il était trafiquant de diamants. À l'époque, le diamant payait. Hein? Le diamantaire ou le diamantifère, ça avait beaucoup d'argent. Ce papa faisait tellement du bien, des dons, des offrandes à l'église. Il avait planifié un voyage. Il fallait qu'il quitte l'aéroport vers 16h, heure de Chikapa. Pour Kinshasa, ça faisait 45 minutes, je pense, ou une heure du temps, quelque chose comme ça. Avec le CAA. À l'époque, c'était parmi les bonnes compagnies d'aviation locales. Pas bonne, mais chère. Okay. Il avait déjà planifié, préparé son billet, tout. Et puis, comme c'était non loin de l'aéroport, il prend sa moto. On l'est conduit par le chauffeur, lui était derrière. Arrivé non loin de l'aéroport, on lui annonce que, vieux, tu es où? Là, l'avion tenté de décoller déjà. Tu n'es pas encore au niveau du tarmac. Non, je suis encore en route. Ah, dites, j'arrive. Il arrive comme ça, l'avion a décollé. Waouh! Il a raté le vol. Il veut négocier un autre vol à côté, comme il avait de ses moyens. Il veut négocier un autre vol à côté. Mes amis, il n'a pas pu. Le vol est parti. Or, pendant que lui partait à l'aéroport, il y avait un fou au coin. Et le fou lui disait des choses. Il l'appelait par son nom. Kabouya, Kabouya, Kabouya. Celui-ci me connaît comment? Il regarde attentivement le fou. Kabouya, Kabouya. Pourquoi tu veux aller mourir comme ça? Ce n'est pas ton temps de mourir. Laisse les gens mourir. Ce n'est pas ton temps, toi, de mourir. Kabouya. Oh. Quoi ça? C'est quoi ça? On regarde comment ça, c'est un fou. Et les petits qui le conduisent disent vieux. Ojumumanyan. C'est-à-dire que, est-ce que tu le connais? Le vieux Kabouya dit non, je ne les connais pas. C'est un fou. Quand ils avancent un peu, on les appelle pour leur dire que l'avion a décollé. Lui non plus n'a pas compris. Il est rentré. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand il quitte l'aéroport parce qu'il a rentré, il a tenté de faire une autre négociation. Ça n'a toujours pas marché. Il rentre maintenant à la maison. Avant qu'il n'arrive à la maison, la radio RFI, c'est RFI qui informe. Hein. Des fois, il y a des choses où l'information n'est pas encore arrivée chez nous, au pays, mais déjà RFI informe.
en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Non, à l'époque c'était République démocratique du Congo, parce que Zaïre c'était 97. Bien-aimé dans le Seigneur, encore un crash aérien. La compagnie CAA, quittant Tchikapa vers Kinshasa, décollé à partir de 16h. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun survécu. Tous ceux qui étaient à bord de l'avion sont décédés, mes amis. C'est alors que le papa va élever sa voix. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Un problème de connexion. Nous sommes toujours au rythme, hein, vous connaissez vous-même, on ne veut plus encore les glorifier. Nous travaillons au rythme des blocages, etc., etc. Ok, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, le papa, il va vérifier, on lui dit, mais c'est l'avion que tu as raté. L'avion que tu as raté. C'est cet avion qui vient de connaître un crash aérien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cet avion qui vient de connaître le crash aérien. Papa Fukami, il est allé à l'église. Il est allé chercher son pasteur pour dire, papa, j'étais déjà mort. Je serais mort à bord de cet avion. Tu aurais perdu ton fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu aurais perdu ton fils que je suis. Donc l'Éternel n'a pas permis que le piège et le filet de l'ennemi ne s'accomplissent dans la vie de ce frère. Que quelqu'un me dise gloire au Seigneur. Que quelqu'un me dise trois fois Amen, Amen, Amen. De même que Dieu a agi dans la vie de ce frère, je prophétise et je déclare que ce Dieu-là agira aussi dans ta vie. S'il y a des personnes, mes frères, qui ont tenté, qui ont programmé, qui ont monté ce genre de trucs dans ta vie, je le déclare au nom puissant de Jésus, Dieu t'épargnera aussi. C'est pourquoi ne te lamente pas trop quand tu perds des choses, quand tu perds certaines opportunités, quand une porte t'est fermée, rends grâce à Dieu. Tu connais pas ce que Dieu t'aurait épargné, à quoi Dieu t'aurait épargné. Nous avons un Dieu qui veille sur les siens pour que le pire ne puisse pas leur arriver. Que quelqu'un dise à Dieu merci pour tout ce que tu me donneras. Merci aussi pour tout ce que tu me priveras. Le papa a raté le vol. Il veut dire, pourtant j'ai prié. Et pourtant j'ai bien arrangé ça. J'avais bien planifié. J'avais également les programmes de Dieu dedans. Bien aimé, Dieu lui-même, il sait les bonnes choses qu'il garde en faveur de ses enfants. Nous allons dire à Dieu, papa, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te prions maintenant de déplacer les bornes. Épargne-nous de toutes sortes de filets. Tout ce qu'on a planifié, tout ce qu'on a programmé, mais toi qui vois tout, au-delà de nos pensées, au-delà de nos forces, préserve-nous du malin. Ne nous induis pas entre les mains de l'ennemi. Ne permets pas que le piège de malin puisse avoir les effets sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, commence à prier. Tendre Père, me voici. Dieu Tout-Puissant, je me rapproche. Je me rapproche de toi. Seigneur, te demandant de bien vouloir m'aider à ne pas tomber dedans. Ma soeur, élève, mon frère, élève ta voix et prie. Dieu Tout-Puissant, étoile brillante du matin, je reviens à toi maintenant. La prière élevée de mon cœur, que tu puisses m'aider à ne pas tomber dedans, à ne pas vivre les pièges de méchants. Au nom puissant de Jésus, Dieu de la Bible, aide-moi, aide mon frère et ma soeur à ne point tomber dedans. Nous nous rapprochons de ton trône. Seigneur, s'il y a des programmes planifiés dans le monde des méchants, tant des sorciers que des méchants physiques, ne permets pas à tes fils que nous sommes de tomber dedans, que tout ce qui a été monté, planifié de toutes pièces, Seigneur, épargne-nous. Déplace-nous, même si on empruntait cette voie, déplace-nous
oriente-nous sur une autre voie. Même si on voulait se lancer quelque part, Lord, il y a un piège du malin. Seigneur, épargne-nous dans les noms puissants de Jésus. Ne permets pas des rencontres qui pourront nous détruire. Ne permets pas des vols, des voyages où il y aura des caches aériennes. Ne permets pas qu'on rentre dans des métros. Il y aura des accidents en avance, en avant. Seigneur, ne permets pas qu'on rentre dans des taxis ou qu'on prenne des directions, des voitures vont connaître des accidents. Papa, épargne-nous du danger. Préserve-nous du malheur. Ne permets pas au piège de méchants de s'accomplir dans nos vies. Que toutes les voitures piégées par le méchant, ils ont fabriqué des pannes montées pour qu'on explose dedans. Je te prie, ô Dieu, que leur projet, leur piège soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas des hommes animaux qu'on pourra bouffer comme ça. Que tout piège de méchants, tout ce qu'ils ont planifié comme problème en cours de route sur tes fils et tes filles, Seigneur, épargne chacun d'eux, épargne chacun de nous, épargne chacun de nous, que tout ce qu'ils ont programmé le long de cette semaine sur nos voies, Seigneur, ne permet pas qu'on tombe dans leur filet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise maintenant tout ce qu'on a mis sur ton chemin comme agent méchant de destruction des destinées, qu'ils ne soient pas capables de te localiser. Que Dieu les frappe d'aveuglement. Que Dieu t'épargne de leur chemin. Que tout ce qu'ils ont programmé sur ta voie soit nul et non avenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire, Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'exaltons et te célébrons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je prophétise. S'ils ont envoyé des gens sur ta route pour t'étendre des invitations, des ennemis comme des infiltrés, ils vont se faire prendre comme des amis alors que ce sont des ennemis. Si on a mis sur ta route des filles que toi tu vas penser être des amis alors que ce sont que des séductrices comme des lilas, pour qu'on puisse te crever les yeux demain, homme de Dieu, que Dieu t'épargne et qu'il te préserve de ce genre de pièges. Que tous ceux qui vont venir se faisant prendre pour tes amis avec un sourire jaune, un sourire teinté d'hypocrisie et de duplicité, je prie au nom de Jésus, ne tombe pas dans leur filet, ne tombe pas dans leur piège. Père, épargne chacun de tes enfants de ces gens de complot. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui viendrait comme pour te faciliter la tâche dans un domaine, mais qui en réalité vient pour te tendre un piège, que Dieu puisse t'épargner. Que Dieu puisse t'épargner de leur piège. Je prie encore au nom de Jésus que le Dieu Tout-Puissant te donne le discernement des esprits. Que les écailles tombent de tes yeux. Que tu sois capable de détecter des lilas et de la différencier d'une épouse. Que Dieu ne permette point que ton pied chancelle. Si le diable a planifié de détruire ta destinée cette semaine en t'envoyant des amis hypocrites, des amis ennemis, je déclare et je prie que le Dieu Tout-Puissant puisse t'épargner de ce genre de personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout cadeau empoisonné, tout service piégé, ne tombe pas dedans. Que Dieu t'épargne de leurs pièges et de leurs complots. Les pièges et les complots n'ont pas commencé aujourd'hui. Dans le livre de Daniel, la Bible nous parle également des complots et des pièges. Ils lui ont tendu un piège. Ils ont dit, comme on a tenté partout et qu'on n'ait pas pu l'atteindre, tentons cette fois-ci dans la loi de son Dieu.
on va le piéger par rapport à la loi de son Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils vont faire des sortes qu'ils puissent l'éloigner de Dieu. Piège. Parce qu'ils savent que Daniel et tous les fils et toutes les filles de Dieu, à l'instar de Daniel, nous sommes forts qu'en Jésus. On est fort seulement lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Ah, l'Éternel ne permettra point que ton pied chancelle. Voilà pourquoi ils vont aller maintenant par rapport à la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu dit? Tu ne te prosterneras point devant une représentation quelconque sur cette terre, se faisant prendre, n'est-ce pas, pour Dieu. Tu ne l'adoreras point et tu ne te prosterneras point devant une statuette ou un objet semblable quelconque que tu vas prendre ou considérer comme étant Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Les méchants connaissent la loi de Dieu. Satan connaît la loi de Dieu. Souvenez-vous dans Matthieu, le jour de la tentation de Jésus, dans Matthieu 4. C'est Satan qui a commencé par faire le premier, n'est-ce pas, une citation de la loi de Dieu. C'est lui qui a dit en premier, il est écrit. C'était lui qui avait dit cela en premier. Il est écrit. Ça dit quoi? Dans la parole. Donc, il connaît la parole. Je parle à quelqu'un, je lui dis que le monde des ténèbres connaît la parole de Dieu. Voyez bien ou bien? C'est pourquoi les agents du monde des ténèbres, qui étaient les ennemis de Daniel, ils ont dit, on va le piéger par rapport à la loi de son Dieu. Maman, papa, cette semaine, ne pense pas qu'ils ne puissent pas aussi te piéger. C'est possible et c'est fort probable qu'ils puissent aussi te piéger par rapport à la loi de ton Dieu. Ils savent que la loi de ton Dieu t'interdit de vivre dans la débauche. Ils savent que la loi de ton Dieu t'interdit d'être infidèle, femme mariée, homme marié. Ils savent aussi que la loi de ton Dieu t'interdit de haïr. Parce que quand tu hais ton frère, tu es plus qu'un meurtrier et tu l'as déjà tué. Ils savent que la loi de ton Dieu t'interdit d'insulter ou d'injurier. Alors ils vont venir aussi, comme à l'époque de Daniel, comme la Bible dit, ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Ils vont venir aussi par cette forme-là. Ils vont venir sous cette forme-là. Te poussant à commettre des fautes qui vont faire de sorte que tu rentres en contradiction avec ton Dieu. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens se retrouvent en train de ne pas payer leurs dîmes. Ils font quoi? Ils attendent, par exemple, quand toi tu rassembles toutes les petites dîmes que tu reçois, tu dis, bon, à la fin du mois, je vais faire ma dîme dans l'enveloppe et j'envoie au serviteur de Dieu qui me prêche ou qui prie pour moi, mon pasteur. Pendant que tu es en train de faire ça, il te laisse. Ça arrive à la dernière semaine où tu te décides de faire le collier d'envoyer à ton pasteur ou d'aller à l'église, etc. Avant 2-3 jours, il suscite un problème sérieux. Ils te mettent dans une difficulté financière et un besoin fort se présente, soit dans la vie, soit c'est un frère, soit une sœur. Et tu es contraint de résoudre les problèmes. Tu prends l'argent de Dieu, l'argent de la dîme. Allez, tu vas résoudre les problèmes de loyer familial. Allez, tu envoies. Ils ont réussi leur piège. Ils ont reçu leur piège. Et tu vas constater que le mois qui va suivre, tu seras dans une difficulté financière sans explication, sans précédent. On va le tenter dans la loi de son Dieu. Comme ils savent que toi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tu n'es pas appelé à dormir sous l'effet de la colère. Ils vont entendre seulement vers 19h, 20h. C'est alors qu'ils vont te bombarder
te poser, te pousser à être fâché et aller dormir avec la colère, sous l'effet de la colère. Qu'on puisse la voir dans la loi de son Dieu. Alors, ils vont imposer une loi de sorte que toute personne sur la terre ou sur leur territoire puisse se prosterner obligatoirement devant une statuette. Et la personne qui ne se prosterne pas, on la considère comme un rebelle, une infraction. Soit il aura peur de mourir, soit il va désobéir à la loi de son Dieu pour vivre. Et on l'aïe. Ah, bien-aimé, ennemi. Vous pouvez avoir un homme que je suis, mais jamais Dieu. Et n'étant pas capable d'avoir Dieu entre vos mains et de les contrôler, de même aussi, vous n'avez pas le contrôle sur des personnes que Dieu maîtrise et que Dieu contrôle. Qui me ravira de la main de Dieu? La Bible dit, nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Jésus en Dieu dans les lieux célestes. J'aimerais que chrétien, tu le saches. Mais écoute mon frère, pour qu'ils puissent t'avoir, ils vont chercher à te mettre dans des conditions où tu sors de la loi de Dieu. Tu sors de ta zone de protection. Tu sors de ta zone de couverture. Alors ils vont avoir la même mise sur toi. C'est ce qu'ils ont fait avec Daniel, plutôt avec Samson. Samson, Dieu lui a dit, tu veux que je marche avec toi? Ta chevelure ne soit pas rasée. Ne livre pas le secret. Tu seras fort. Ma puissance te couvrira. Le monde des ténèbres, le camp adverse, ont piégé Samson. Ba côté l'indignacati, ba côté l'intoki, ba côté ce qu'on a catinaé dans cela moi aussi en la personne de qui, de Delila. Et quand elle est venue, n'a pas pu récupérer Samson. Il fallait qu'elle puisse pousser Samson à aller en dehors des instructions de Dieu. On l'a piégé par rapport à la loi de son Dieu. Papa, maman, écoutez-moi. Cette semaine va être en train de commencer. Il faut bien méditer la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire et qu'est-ce qu'il t'a dit de ne pas faire? Premièrement, Dieu t'a interdit de haïr tes frères, de haïr tes prochains. Partout, il y avait une dose de haine, des racines, la haine et la méchanceté. Dieu t'a dit, toi, femme mariée, de ne pas coucher avec la femme, le mari d'autrui. N'accepte pas que l'ennemi puisse te plonger dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'interdit d'user des fraudes dans les affaires vis-à-vis de ceux avec qui vous travaillez. N'accepte pas que quelqu'un puisse te piéger et te pousser à en arriver là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tout ce que le diable peut élever le long de cette semaine pour te piéger, t'empêchant d'être dans la présence de Dieu, je déclare que cela n'aboutit ce point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré la crise, ne vole pas. Pasteur, ne change pas de langage parce que tu es en crise. Ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde. À quoi bon de gagner ce monde et de perdre son éternité? Mituka, Bamapangu, Basi, Bilamba, c'est des choses que tu as trouvées. Tu pourras également les laisser. Delila n'a pas pu maîtriser Joseph, ni exploiter son étoile, parce que Joseph n'a pas accepté d'aller en dehors de la volonté de Dieu. Il dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu et contre le chef Potiphar qui m'a fait du bien? Peu importe le problème, mon frère, ne va pas consulter les féticheurs, pardon. Partout fouleront les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Ça dit que Dieu savait que nos pieds ne doivent pas piétiner n'importe où non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré que la personne te déteste, elle te fait du mal, ne la hais pas. Il ne faut pas la haïr dans ton cœur. Tu es en train de t'exposer toi-même.
c'est un piège par rapport à la loi de ton Dieu. Tu as été prié dans une église où tu ne te sens plus à l'aise là-bas. Bien que tu aies fait des mois, des années. Tu vois les comportements soit de l'homme de Dieu, soit de quoi, un comportement bizarre. Il ne respecte pas la parole de Dieu lui-même. Il vient en désordre et tu en as marre. Ne tombe pas dans le filet de l'ennemi, tu commences à critiquer le pasteur parlant mal de lui. Si tu peux te retirer, retire-toi. Prie ton Dieu à la maison et dis à Dieu de t'orienter quelque part d'autre. Va en paix. Ne rentre pas dans le piège de Satan. Il y a des choses que tu penses être vaines ou bien sans impact, sans influence. Mais cependant, ce sont des pièges dont se sert l'ennemi pour gâcher toute ta vie. Samson ne pensait pas que le simple fait de livrer son secret à cette femme Delila, Dieu allait les quitter. Malheureusement, il est tombé dans le piège. Et Dieu se retira de lui. Samson a pleuré. Ah, le pleur de Samson. Samson a pleuré parce qu'on lui a crevé les yeux. On l'a pris par rapport à la loi de son Dieu. Tu vas prier pour toi-même, disant à Dieu, Papa, garde mon cœur plus que toute autre chose. Protège-moi de sorte que je ne tombe pas dans le piège du malin. Le long de cette semaine qui commence, garde-moi comme tu gardas Daniel. Malgré leur piège, Daniel n'est pas tombé dedans. Le matin, à midi et le soir, il était en prière à la direction d'Israël. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Père éternel, je m'abandonne entre tes mains. Veille sur mon corps, veille sur mon âme, veille sur mon esprit. Protège-moi contre le piège du malin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à prier. Prions au nom du Seigneur. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ton trône. Nous nous rapprochons davantage devant toi, te demandant de nous protéger contre le piège du malin. Que toutes sortes de pièges, dans l'esprit de nous pousser à nous éloigner de toi. Seigneur, que ce piège-là n'ait pas des effets sur nous. Que ça soit nul et non avenu. Les pièges de la haine, le piège des disputes et des querelles, le piège de mensonges, malgré la crise et le manquement, Seigneur, que je ne tombe pas dans le mensonge. Que toute forme de piège, Seigneur Dieu, soit éloignée de moi. Le piège de la haine et de la méchanceté soit éloigné de moi. Dans le nom de Jésus, Père, garde mon âme. Garde mon cœur et mon corps plus que toute autre chose. Que je ne tombe pas dans le piège de l'impudicité de l'adultère. Que je ne tombe pas dans le piège du mensonge et de l'hypocrisie. Que je ne tombe pas dans le piège, Papa, de la convoitise et de l'idolâtrie. Que je n'aille pas toucher au fétiche, à l'occultisme, au talisman. Père, garde nos cœurs plus que toute autre chose. Préserve-nous du malin. Ne permets pas à ce que nos pieds chancellent. Protège-nous. Tobé tamabakouté. Tozinda na mabulo ba piège abenimi na bisote. Batte la bison zamb. Bomba biso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tendons vers la fin de notre mission. Vers la fin, la Bible dit, l'Éternel notre Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te garde, ne sommeille, ni ne dort. Il gardera ton départ, mais aussi ton arrivée. Tu vas maintenant recommander toutes tes voies. Banda le loti dimanche. Tu vas dire à Dieu, partout où j'irai, garde mon départ, garde mon arrivée. Tu vas prier pour les membres de ta famille, tes enfants qui vont à l'école, lundi jusqu'au dimanche. Garde le départ de tout un chacun. Garde son arrivée. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, garde le départ de mon mari qui va en voyage. Garde son arrivée. Garde-moi aussi quand je vais au travail. Et quand je reviens, garde mon départ et mon arrivée. Garde ma femme, mon mari,
garde tous ceux qui me sont chers, mes frères, cousins, connaissances, ceux qui craignent Dieu et qui espèrent en ta bonté. Est-ce que tu peux lever ta voix et demander à Dieu de te garder, de te protéger, de te préserver et de garder ton départ? La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Ne t'abandonnera jamais. Prions, recommandons nos voies. Que Dieu nous garde. Qu'il garde notre départ. Qu'il garde notre arrivée. Prions au nom de Jésus. Père éternel. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Nous te recommandons notre départ. Nous te recommandons notre arrivée. Épargne-nous des accidents et des dangers. Préserve-nous du malheur. Père, que tous les pièges des méchants, tous les pièges des bourreaux, tous les pièges des devins, Seigneur, ne nous atteignent pas. Veille sur le corps, l'âme et l'esprit de tout un chacun de nous. Bomba bisona banzela toko tambola. Jinga bisona katna makila na yo. Bomba bisona ma pipi na yo. Au nom précieux de Jésus. Papa, te pécho, merci. Aux abolingo ton dans la main. Koumama neto la mapesan jola main. Na kombo na yeshu. Encore une fois dit, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez maintenant très bien. Nous entrons dans la guerre spirituelle maintenant. En dépit de ta prière, il y a quand même des personnes qui vont constituer une pierre d'achoppement. Que le diable est déterminé à mettre sur ton chemin. Malgré que tu as prié, certes Dieu peut les écarter, mais il y a des têtus comparables à la montagne qui était devant Zorobabel. Des têtus comme le prophète Balaam face au peuple d'Israël. Il a bien posé la question à Dieu. Dieu lui dit, tu ne peux pas maudire celui que moi je bénis. Mais il s'entête quand même parce qu'il a eu des présents. Face à cette catégorie de personnes, il y a également des prières à faire. Nzamba mopanga. Nzamba ba ange bakita. Que toute personne qui s'entête, qui ne veut pas quitter ton chemin, qui se dit nana ko lakisaye, que nana za grand gang, dans un vrai assassin, dans un faux esprit, dans un vrai tchor, que toute personne qui est déterminée pour te faire du mal, tu vas dire, Père éternel, tu as dit dans ta parole, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Le temps a sonné, que tu t'élèves maintenant pour combattre en notre faveur. Toute femme, tout homme, jeunes et vieux, qui est sur notre chemin, Seigneur, rencontre la personne. Koutana naïe, nabanzela naïe koutambola. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, commence à prier maintenant. Tu vas dire à l'Éternel que tout homme, toute femme, toute personne placée sur notre chemin, dans l'esprit de nous gâcher la vie, toute personne qui ne veut pas relâcher ma route, qui est plus que déterminée, je te prie de la croiser maintenant. Seigneur, qu'elle soit de ma famille, qu'elle soit dans mon entourage, qu'elle soit une personne physique ou spirituelle, que ce soit une personne ancrée dans la sorcellerie, dans l'état d'âme, akutana loboko na yo, frappe en Nzambe, nanzela na ye. Prions au nom de Jésus, alléluia. Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, ce matin nous t'invoquons comme le chef de l'armée de l'Éternel. Nous te demandons de rencontrer sur son chemin toute femme, tout homme, blanc comme noir, sorcier, occultiste, devin, marabout, comme magicien, tout comme des personnes physiques, peu importe sa mission, sur mon chemin, moi je garde silence et je te prie de te lever, de l'affronter. Comme Balaam a été affronté par les anges de Dieu, avec une épée nue pour lui couper la tête, je te prie de déployer ton armée angélique, que tes anges soient déployés sur toutes mes voies, dans toutes les voies de mes fils et de mes filles,
sur toutes nos voies, Seigneur, membres de ma famille. Je te prie de déployer tes anges et d'affronter les femmes, d'affronter les hommes. Bah, croiser le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'il sache qu'il y a un Dieu qui protège Israël. Qu'il sache qu'il y a un Dieu qui permettra point que les pieds des fils et des filles de Dieu chancellent. Yahweh, occupe-toi des méchants. Le long de cette semaine, que tes anges soient sur toutes, dans toutes nos voies et qu'ils localisent les méchants dans leurs voies, qu'ils les amputent les têtes au nom puissant de Jésus. Renverse les véhicules des méchants. Tous ceux qui sont envoyés en mission vers nous, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu d'Israël et les dieux que nous servons. Que ton armée angélique s'occupe d'eux. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit dans leur sommeil qu'ils soient frappés. Même quand ils font des imprécations, que le trouble et le chaos soient leur partage. Frappe de confusion, frappe de mort, frappe de maladie, frappe de troubles. Tous ceux qui sont déterminés à gâcher et à détruire les vies des enfants de Dieu. Tu as dit, malheur à toi. Vaut mieux pour toi que tu ne sois pas né. Le scandale viendra, mais malheur à la personne par qui ça va venir. Tu prophétisais sur Judas. Si tu as maudit Judas parce qu'il était déterminé à te vendre et à verser ton sang, pourquoi pas nous autres? C'est pourquoi que tout Judas envoyé en mission contre nos vies, qu'il te croise dans la dimension de Jéhovah Shabaoth, l'Éternel des armées. Occupe-toi des méchants. Occupe-toi de ceux qui en veulent à nos vies. Occupe-toi des devins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Occupe-toi de tous ceux qui en veulent à nos vies. Seigneur, nous te prions de t'élever et de t'occuper d'eux. Occupe-toi de tout un chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Encore une fois, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les anges de Dieu. Je vois les anges de Dieu localiser quelqu'un. Je vois les anges de Dieu te protéger cette semaine. Je vois les anges de Dieu t'accompagner dans toutes tes voies le long de cette semaine. Que Dieu t'ouvre des portes. Que tout celui ou toute celle qui voudrait te fermer des portes voie la résistance de l'Éternel. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre service et nous donnons les annonces. La semaine qui commence, qu'elle soit une semaine de surprises agréables. Les méchants avaient programmé des surprises désagréables, mais Dieu est en train de changer, de transformer leurs plans et leurs projets. Non seulement ils vont reculer, mais il y a de ceux-là qui s'y ne tiennent pas, ils ne font pas attention, Dieu va amputer leur destinée. La prière que tu viens de faire, ne pense pas qu'elle est une petite prière. Elle est puissante. Retiens très bien ce que je t'ai dit. Le long de la semaine, s'ils sont dans la précipitation, d'autres vont se faire exposer et vont souffrir toute leur vie en prison. Le long de cette semaine. D'autres vont être frappés de maladies incurables. Le long de cette semaine. On ne prie pas un Dieu mort, un Dieu tout-puissant. Et je prie maintenant que le sang de Christ et Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha couvre le corps, l'âme et l'esprit de chacun de ses enfants. Je déclare que le sang précieux de Jésus puisse crier sur ta maison, puisse crier sur toutes tes voies, puisse crier sur tes activités.
Que Dieu s'occupe de ceux qui combattent ton travail, qui s'occupe de ceux qui combattent ton foyer, qui s'occupe de ceux qui combattent mon ministère, qui le croient sur leur chemin. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Je bénis tes activités. Je bénis ton travail. Je bénis ta maison. Je bénis tes voies. Que la faveur divine, la gloire du Très-Haut te couvre et que toutes tes portes s'ouvrent tout le long de cette semaine qui commence. Au nom de Jésus, ainsi prier, nous disons trois fois Amen, Amen, Amen. Encore une fois, Amen, trois fois comment? Amen, Amen et Amen. Le programme est le même le long de cette semaine. Tous les jours du lundi au vendredi, nous sommes sur Facebook à partir de 15h ou 14h30, heure des USA, Chicago, heure de Chicago. Ce qui fera 21h30, heure d'Europe et d'Afrique. Nous sommes sur notre page Facebook, Patrick Alala Ministry, pour des moments de prière, d'intercession. Une heure avec l'intercession avec le pasteur Kalala. Si ce n'est pas une heure, donc c'est l'émission Les Actes du pasteur Kalala. C'est comme ça que ça se passe. Une heure d'intercession avec le pasteur Kalala, ou bien émission Les Actes du pasteur Kalala, du lundi au vendredi, sur la page Facebook Patrick Kalala. La nuit, on est encore sur la même page Facebook Patrick Kalala Ministry à partir de 23h30, heure de Chicago, ce qui fera 6h30, heure d'Europe et d'Afrique, dans l'émission Temps des prières agressives avec le pasteur Kalala. Tandis que sur YouTube, nos vidéos passent tous les jours à partir de 21h, 21h30, heure de Chicago, ce qui fera 5h30 à 6h, heure d'Europe et d'Afrique. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube, Patrick Kalala, à partir de 5h30, heure d'Europe et d'Afrique. Sur la chaîne YouTube, Patrick Kalala, c'est pourquoi je vous prie de vous abonner aussi là-bas, parce qu'il y a des prières puissantes, des temps de prières agressives qui passent là-bas à partir de 5h30, heure d'Europe et d'Afrique. Tandis que ici, en Amérique, c'est à partir de 21h30, heure d'Amérique. Que le bon Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de suivre les enseignements sur notre chaîne YouTube Patrick Kalala, des petites prédications dans l'Évangile au quotidien, des très bons conseils de la part de l'homme de Dieu. Et je pense qu'à partir de cette semaine, il sera encore beaucoup plus accéléré. Pratiquement tous les jours, vous aurez une pensée du jour, un conseil dans l'Évangile au quotidien pour votre édification. Et les conseils sont également disponibles sur notre TikTok, Patrick Kalala officiel. TikTok, abonnez-vous également massivement là-bas. Et mon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Quant à moi, je dis merci de nous avoir suivis. Bye bye et à très bientôt ou à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.